I think we need to make this roof lift off for Michel Bras. And to translate his dear friend Jean-Pierre. Hello, Michel. Voilà. Bon. Thank you. Maybe the first thing I want to say, la première chose que je voudrais dire, is that what you see here is that we see when you get in the restaurant in Aubrac there, or on the Souquet, you come inside the hall and you see to your right hand the kitchen, and every day somebody, and many times Michel, prepares this nice, beautiful flower of vegetable arrangement, and it's sort of greetings the people who come. Je dis que quand on arrive chez toi, à droite dans la cuisine, oui, 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 c'est le clin d'œil au règne du végétal. Alors ce matin, d'abord je voudrais remercier René, parce que toutes ces éloges, je ne les mérite pas. Et puis tu me demandes en 30 minutes de te faire pénétrer dans ma tête comment j'ai pu créer le gargouillou. Ça va être difficile. So you want to thank René, and he said that all in 30 minutes explain and give the philosophy of the gargouillou. Just asking before, the gargouillou asks to 10 people every morning from 8:30 till 11. Alors, ce que je n'étais pas dit, René, c'est qu'aujourd'hui je suis multimillionnaire parce que sur chaque copie du coulant, j'ai touché un centime. And that is not true. So he said that it have 1 cent on every coulant in the world, but that it's really not true, and it's a lot. And coulant is a chocolate cake we just saw. Yeah. And René, it was at the same, he invented both at the mean time. At Gargouille, the same time. Yes, gargouillou and coulant are really contemporary. Oui, années 80 à peu près, yeah. Voilà. Mm. C'était, j'avais ton âge. So you haven't made a fortune of this chocolate cake. Tu n'as pas fait une fortune de ça. Non. Je n'ai pas envie. Alors d'ailleurs, c'est un peu le titre de ma présentation aujourd'hui. Je n'ai pas voulu vivre de la cuisine, je vis la cuisine. Il y a toute une nuance. So what he said is that the title of his demo today, it's not live from the cuisine, but it's live the cuisine, live with the cuisine. Alors bon, je voudrais, et puis après je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Je suis heureux d'être là, René, parce que bon, comme quelque autre festival qui sont organisés de ci et de là, c'est qu'aujourd'hui, bon, je trouve que tu as su, avec ton équipe, réintégrer l'homme dans sa véritable dimension. Là, voilà. Et c'est une chose qu'on avait un peu oubliée. So, that's a big compliment Michel gives to René and to his team, is that doing this Mad Food Camp, he has put the man in his real dimension and his true dimension. Alors, l'homme de bon sens, les pieds dans la terre, et je rajouterai les pieds dans l'eau aujourd'hui. So, feet in the ground and today in water. Donc, si vous voulez, si je cautionne totalement les constats qui ont été faits hier ou ce matin, que bon, j'ai pas pu, par rapport à ce qui a été dit ce matin, j'abonde tout à fait dans ce sens-là, mais moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat, j'ai envie de vous faire rêver. Là. So, you don't want to... That's really important and really high-level speech from this morning. He wants to make you dreaming. Alors, parmi tous les jeunes cuisiniers que tu as invités, René, moi je me sens un peu comme un dinosaure, là. Enfin, comme un vieux. But I don't want to translate dinosaurs. Yeah, he feels himself like a dinosaur. Alors, je vais essayer de vous raconter en quelques mots le parcours d'une vie, parce que le gargouillou, c'est le parcours d'une vie. So the gargouillou is his life, long life, long life. Walk. Alors, un peu comme René et comme bien d'autres, avec mon épouse, parce que c'est le travail d'un couple, c'est pas le travail de Michel, c'est le travail de Ginette et Michel. So it's the work from Ginette, his wife and himself, it's not Michel only. On habite un pays où il y a 3 habitants au kilomètre carré. Alors, on parle de la Finlande, mais chez nous, c'est à peu près pareil. So, you compare Lobrac with Finland, where they have there 3 inhabitants per square kilometer.
Donc c'est une espèce d'entêtement que j'ai cultivé par rapport à ma passion qui était la cuisine. Autodidacte, passionné, j'ai toujours voulu poser un regard de mon temps sur l'assiette. So, yet he was always Michel had always been obstinate to have passion, to be and mostly to be contemporary and to have a contemporary look at the plate. Alors, je vais pas bon, ça va peut-être un peu difficile là, mais je vais pas vous évoquez aujourd'hui les choix qu'on a fait en termes de cuisine, que j'ai fait en termes de cuisine, les choix qu'on a fait avec mon épouse en termes d'architecture, en termes de management de l'homme, parce qu'on a beaucoup de respect pour l'humain, parce qu'on était un peu la risée de notre profession à l'époque et ça faisait jaser un peu. So, in the Maison Brad, it's more than just cuisine. The architecture is important. And also the people and the way you treat the people is really important. And he said that a lot of people from the, you know, the gastro world in France were laughing about them because they had this specific philosophy. Alors pour moi, la cuisine a toujours été une source d'émotion et j'ai voulu toujours construire, écrire mes assiettes avec ce but premier, l'émotion. So its first goal when he's doing a plate since the beginning is giving emotion. Et alors je trouve que dans des territoires comme le nôtre où on mangeait, on se nourrissait pour pas crever de faim parce qu'on n'était pas dans le Lyonnais, on n'était pas en Alsace, on n'était pas dans le Sud-Ouest, donc c'était vraiment une nourriture quotidienne qui se suffisait de peu. So, de rien. What we can say that in this area where a lot of people immigrate from this area to Paris, for instance, was not as rich as Lyon or other places or Provence. So it was really an economy of scarcity, even in the everyday meals. Alors j'étais toujours fasciné par parce qu'avec mon épouse on aime beaucoup voyager, Amérique du Sud, l'Inde 8 fois, enfin tout ça. On a toujours été fasciné. Bon, la street food, ça devient un peu tendance, mais nous, il y a 20-30 ans qu'on l'a découvert. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que avec rien, on arrivait à faire quelque chose de gourmand. Et c'est là où j'ai un peu, c'était parce que c'était dans ma culture aussi, redéfini un peu les codes qui habitaient la cuisine. Il n'y avait de gastronomie, surtout que j'aime pas ce mot, qu'en mangeant du homard, du foie gras, du caviar ou autre. So that is really avant-garde. Well, Michel speaks first from his. They love both to travel, and he says that more than 20 years ago he went to Asia, India, to Latin America, and he looks at very carefully at the street food, and that inspired him because with nothing, people make some food that's really tasty, and this also part of his philosophy, doing something tasty and good and gourmand, as he said, about with nothing. But people say nothing. What's or nothing? J'ai une fascination pour le pain, pour le laitage. Bon, le pain, vous savez, c'était quand j'étais jeune, on avait des grandes tables à la maison, là, avec en bout un tiroir où il y avait la miche de pain. Et donc, il restait toujours, vous savez, des miettes de pain comme ça au fond du tiroir, là. Voilà, et j'aimais mélanger ça avec du sucre pour mettre sur une crème. Enfin, vous voyez, c'était des plaisirs de rien. C'était caramélisé, c'était bon. No, if you can see this here. So, you know, at the family table, there were always some bread, you know, there were some remainings, the breadcrumbs, but just normal breadcrumbs. And Michel always liked to try to transform this, add sugar and to put that on a cream, or just, you know, really a product that you normally throw away, and he makes something good and with this, okay, using his cuisine. Vous savez, il y a une phrase de Soulages que j'aime beaucoup, Pierre Soulages. Vous savez, ce peintre qui est originaire de chez nous, d'ailleurs. Yeah, so he's speaking about Pierre Soulages, and also that you will open a restaurant in this museum, no? Tu vas ouvrir un restaurant dans ce musée. Oui, à son musée, oui, en 2013. So there will be a new Michel Bras restaurant
it's a scoop maybe. Okay, what city? Et il dit une phrase que j'adore beaucoup et je trouve que les cuisiniers devraient en faire leur emblème, c'est plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte. Wow. So, this is a sentence of Pierre Soulages. C'est Pierre Soulages qui a dit ça. Hein? Less you have, more your expression is strong. Donc, j'en reviens un peu à ces voyages que nous avons effectués avec mon épouse. Bon, je me rappelle du pain suédois. Je me rappelle d'un pain que les Touaregs nous avaient fait pour une fête de Noël dans le désert. Le tegela, un pain qui était cuit à même le sable. Et quand on l'a mangé avec les enfants, il y avait le prétexte de la fête de Noël. Alors, ils nous avaient servi ça avec une chèvre qui était dure comme ça. Bon, on ne va pas en parler de la chèvre. Mais le pain, c'était une gourmandise, c'était du gâteau. Il avait cuit à même la braise. So, in his travel memories, he have we back to bread, so Swedish bread, for instance, but also once in the desert with the Touareg, they served him a bread just cooked on the sand, and that was also goat meat. But meat was, as he said, the goat meat was like this, but the bread was so delicate, so with so much taste and so much texture. Alors pour illustrer un peu la phrase de Soulages, quand il dit que plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte, il y a un produit qui me fascine dans les voyages, c'est de découvrir comment il a été abordé et transformé, c'est le lait. Donc chez nous, c'est la peau de lait, vous allez au pays de Alex et de Gaston, c'est la douce leche, vous allez en Afghanistan, c'est le chiriak, le lait glacé, le shirpira, en Inde, c'est le ragoula, c'est ses friandises, et je trouve qu'avec la même matière, on arrive à faire des expressions complètement différentes, qui sont liées à des cultures différentes, c'est fabuleux. Ok, so, we go on the travel, and one of the products he likes to look at when he's traveling is the milk and the different expression you find in every country, from dulce de leche till the pot de lait that Michel does in his restaurant and many other places. So all people with the same product express something different. Vous savez, dans les années 70, je servais des plats, aujourd'hui ils sont peut-être tendance, mais à l'époque, je servais un millefeuille avec de la peau de lait et des fraises écrasées, parce que je trouve que les fraises écrasées, ça rend beaucoup plus de jutosité, beaucoup plus de parfum. Et il fallait être un peu fou pour faire aussi. Ok, so, he said that maybe now it's tendance, but in the year 70, he was serving a millefeuille with this milk skin and strawberries just... pressed with the fork, because when they are pressed like this, when they are mashed, little bit mashed like this, you have more the expression of the juicy of the strawberry. Alors aujourd'hui, pour terminer avec la peau de lait, je vais venir au gargouille, oui, n'ayez pas peur. La peau de lait aujourd'hui, ben, je suis un grand-père heureux, j'ai 4 petits-enfants et je suis le roi des tartines. Parce qu'un papa et une maman, ça ne sait jamais faire une tartine avec le bon équilibre entre le pain. Alors, ma petite fille qui s'appelle Flora, elle me demande la fabuleuse tartine à chaque repas. Donc je prends juste la croûte qu'il faut, je mets la peau de lait, soupçon de sel d'un côté, chocolat râpé de l'autre, quelques fruits de groseille ou autre. Elle a les yeux qui pétillent. Voilà. So. C'est ça le bonheur, c'est ça la gourmandise, c'est ça être cuisinier, je trouve. So, yeah. So, something also really important in all the life of Michel's and Jeanette's life is the family. And it's really important there when you go to the restaurant, you see in the kitchen where the kids are there, the kids of Sébastien are there, and Michel has 4 grandchildren, and he's always loving to prepare a tartine for them. So a slice of bread, but he chose the just proportion between the center and the crust. And after he have this milk skin, some salt, some rasped chocolate, some red berries. And Flora ask, granddaughter ask always the merveilleuse tartine, Jenny, c'est ça? Oui, oui, oui. Elle a les yeux qui pétillent. Oui. The eyes are. Ça flash, okay. Ça fait. Flashing. Gargouillou? Ce que je voudrais dire, on vient au gargouillou. Alors, mon approche de la nature dans tout ça, vous allez vous dire, bon, j'habite un pays où il y a 3 habitants au kilomètre carré, comme je vous ai dit, on est baigné de nature. Et la nature, ben, chez nous, elle est vraiment, je ne veux pas dire agressive, mais elle est austère, elle est impénétrable.
et comment je l'ai pénétré par de deux façons, par la course à pied que je pratique encore. D'ailleurs, je fais le marathon de New York cette année avec David, là je ne sais pas où il est, il m'a lancé le défi. Et puis la photo. Avec la photo, on pose notre regard sur... par le cadrage, on pose notre regard sur les choses, sur les humains. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre un peu mieux cette nature. Et en répondant à une phrase de Lamartine qui dit « La nature est là qui t'invite et qui t'aime ». Ouh là là. So first, I finish with Lamartine. We said that nature is there who invites you and who loves you, like you, loves you. Michel said it, and that's really true. When you go there, you know, when you have this windy, it's cold, and so on. You know, the Obrak is really austere, really strong. It's not nature gives you immediately. So the way he find to be more comfortable with this nature is two ways. First, the jogging every day at 5 o'clock, I think, afternoon. À 5 heures, tu cours, non? Non. Cette année, je vise 4 heures. Enfin, bon. J'ai fait 3 heures et demie. Oui. So, every day in the afternoon, after service, he's going for this jogging. And also, Michel is a really great photographer. In this book, I think you have seen the picture he took all over the world. And also, the way you look at the nature, through your lens, you know, it's giving you another relationship with nature, another understanding. Et donc, et après je vais rentrer dans le gargouillis, il y a juste une chose que je voudrais dire, c'est pour les jeunes cuisiniers certainement, c'est que moi je vais avoir 65 ans et je suis comme un enfant parce que je suis émerveillé par tout ce que je découvre au quotidien et j'ai envie de jouer avec. La cuisine, c'est pas sérieux, c'est pour faire du bonheur, c'est pour offrir du bonheur. Ok, so, like first of all, he's soon 65, but... Who want to know that? But he's still a child. And what is really important for him is to give, to transmit happiness. That's the first thing when he's doing something. Et il y a une phrase de Pablo Neruda qui est très bien pour ça. Et qui c'est dit... une félicitation aujourd'hui. Ah oui, l'enfant qui ne joue pas n'est pas un enfant, mais l'homme qui ne sait pas jouer a perdu pour toujours l'enfant qui vivait en lui et qui lui manquera jamais. C'est beau ça. So, no, Pablo Neruda, citation? Oui, so, Neruda. Child is not playing, it's not a child, but the man who cannot, is not able to play, have lost forever the child who was living inside himself and what he will miss forever. Donc on va attaquer le gargouillou, alors on va terminer juste avec ça. Tu sais, Jean-Paul Sartre, il a dit « La nature parle, l'expérience traduit ». Alors, je vais faire reparler l'expérience. Ok, so, Sartre, I don't know what you are so... La so nature parle, yeah, okay. L'expérience traduit. I don't know what you are citation of Jean-Paul Sartre. So, nature is talking, but it's experience is working, is that? La nature parle, et c'est l'expérience qui... Traduit. Qui traduit, ou translate. Donc c'est l'expérience maintenant qui va traduire là. So now it's the experience. Donc une expérience, le gargouillou, c'est une création que je vous dis des années 80, j'avais 33, 34 ans, et je pense qu'il n'aurait pas pu exister avant, parce qu'on ne peut pas être avant d'avoir été, et il faut avoir assimilé toute une connaissance par rapport aux cuissons, par rapport aux produits, par rapport à la taille. Ok, so Michel, what about your age? He was 33 when he, René, when he set up the gargouillou, and he said it was not maybe possible before because you need some knowledge, you need how to cook, how to select, or even how to slice. Alors le gargouillou, c'est une écriture de mon regard, donc sur la nature qui se veut gaie, joyeuse, fraîche, fleurie, mais surtout vivante. Voilà. Okay, so it's the gargouillou is it's what he the way his way of looking to nature, but you speak about happiness, joy, flowers, and mostly living nature. Alors mon gargouillou, il y a trois sources d'approvisionnement. Il y a des maraîchers avec qui je travaille depuis 40 ans à peu près. So first thing to make the gargouillou, that's the farmers for which he work from the lot, from which he work since 40 years. Après, il y a la cueillette, mais alors la cueillette, je voudrais le relativiser parce que
Bah, il y a eu des dérapages là-dessus, où on fait de la cueillette à outrance, on surgèle ou on fait autre. Moi, la cueillette, il y a des moments précis où je cueille de la feuille, je cueille de la fleur, et je crois qu'il ne faut pas faire des dérives par rapport à ça. OK. So, about foraging, you say, OK, there's a moment where he chose to collect leaves, to collect flowers, but he don't want in his restaurant to store, to deep freeze, to, you know, to froze the plants and the flowers and so on. He just concentrate on some season and some plants for the foraging. Et alors à côté de ça, j'ai un jardin qui s'enrichit au fil de nos voyages avec plein de plantes de l'étranger, du sancho, du chisso, de la coriandre bolivienne, du papalo du Mexique cette année, tomatillo. Et donc voilà, bon, on joue avec ça. So he have also a garden made about, if you remember what Magnus told with the benches and all these things, made on the same principle. So you have compost, you have these wood things, and combien tu as de planches? De variétés au jardin. Non, des planches quand tu cultives. Tu sais, j'en ai 25, je crois. So 25 different, voilà. You know, like rectangles. Surtout de l'aromatique, essentiellement. And it's mostly, as you say, aromatic plants and so herbs and things. But also, it's not only, you know, local. It's also he's influenced by plants he finds. So coriander from Bolivia. Shiso, of course, Sancho, and all these things. On partage des choses avec Andoni. Andoni m'a amené du cédré là, mettons, et voilà. Voilà, and they have also able to exchange, for instance, with Andoni, who brings things, and yeah. Bon, j'attends que René me donne une plante d'ici. So he's waiting that you send him or you give him something back to plant his garden. Donc, le gargouillou, le matin, quand on arrive en place à 8h30 par là, je le taille encore parce que pour moi, ça a une importance. Je le vis tellement, mon gargouillou, j'ai du mal à confier la découpe du légume à d'autres personnes. No, it's true. When you arrive in the kitchen, you see always Michel, first thing, he's slicing with the mandoline. And it's something that you don't want to give to other people. It's really important for you. Et puis je donne les directives parce que le légume, il y en a qui est cuit au bouillon, il y en a qui est rôti, il y en a qui est confit, il y en a qui est grillé à l'huile d'olive. Enfin, il y a une multitude. C'est au fur et à mesure que je respire mes légumes, que je les sens, que je communie avec eux, que j'arrive un peu à donner les directives. Et tu changes chaque jour ça, selon les légumes. Il n'y a pas deux gargouillous semblables. Okay, so there's not the everyday the gargouillou change, but what is important also, the technique he will apply to or use for one type of vegetable could change from one day to another one. It could be cooking olive oil, it could be just poaching in stock or in water or raw, depending of what he feel and what he just have seen with his hand, what he's feeling from the product on the same day. Alors j'ai un couteau, un économe, enfin deux, trois couteaux et puis une mandoline. So yes, aussi, voilà. That's the tools are coming on the table. So the most important is this one. But you have the Japanese one, no? From Kai. Je suis en train d'en développer une. Ah, okay. Au millimètre près. Au dixième de millimètre. So you know he's using, before he was using this one, but you remember the last years he get one the big one from Kai because Michel is also developing knives with Kai. In fact, you know the collection. And now he's developing a mandoline with Kai who will be precise at 10 of millimeter. Alors, c'est le gargouillou de Mad, ça. Hein. Alors, il est un peu fou, hein. Je crois que c'est la terminologie anglaise, hein, ça, non? Quoi ça? Mad, c'est pas fou, en si, anglais? Si. Voilà, il est un peu fou, hein. So, okay, so it's a mad gargouillou today because we had a mad food camp. Good. Ils sont vraiment sérieux, là. Nobody is laughing, hein. Et donc, ce matin, avec un autre fou comme moi, avec Olivier, on a été faire le tour, là. On a été se promener. So, okay, so you went with Oliver to make some shopping. Donc, on a fait des cuissons derrière, à l'arrière, avec les moyens de bord. Et là, je vais d'abord faire une approche, comment j'appréhende le légume et comment je travaille avec lui. Forget about the cooking, the different style of cooking. Now, you want to just explain the philosophy or the way or approach the vegetables. Or, toutes les racines, toutes les carottes et tout ça, bon, je les nettoie avec. So he clean all roots avec, and voilà. all the dirty parts with this sort of thing. On les a nettoyés ce matin. Hein. Yeah. Il y a une pomme. J'ai une variété de pommes chez moi qui s'appelle Acane et qui a un rapport d'acidité et de sucre que j'aime beaucoup. Et donc, je la fais cuire sous vide.
et je la laisse 48 à 72 heures sous vide. Et il y a une migration de la pigmentation de la peau qui rentre dans la chair. Okay. C'est assez étonnant, c'est tout rouge, c'est beau. So, oui, à quelle température tu cuis ça? 55-60 par là. Ok, c'est ça. Et tu cuis sous vide la peau? Alors, ce matin, on a essayé avec Oliver de faire ça dans le four, mais ce n'était pas concluant. Hein. Ok. So, mais tu la cuis nature? Nature. So, la pomme toute seule. So, the disciple was called a can. And he chose this apple because the proportion between acidity and sweetness is what he likes. The balance is what he likes. And he cooks sous vide at 50 degrees for 1 hour. 1 hour, tu fais ça au moins? Faut regarder ça. Okay, y a pas de... okay. So, because what he likes in the sous vide, and after the apple stays for 48 hours, sous vide. And the effect normally, if you do that sous vide, is that you have a migration from the pigment, the red pigment, who are here inside, and it's quite beautiful. Le regard que je pose sur le légume, sur un fruit, ben ça va jusqu'au pépin. C'est mon épouse qui me l'a fait découvrir, le pépin, parce qu'elle ne mange pas la pomme, mais elle mange toujours les pépins. So, et donc, à un moment donné, j'ai créé une recette de foie gras où le pépin était sur le bord de l'assiette, où c'était comme une invitation à aller chercher un peu cette touche d'amertume et d'amande. Voilà. OK, so his wife likes in the apples the seeds. And Michel, no, in some dishes, he used the seeds, and he made a plow with with foie gras. And on the edge of on the plate, you had these seeds, who just appealed you to taste them and to have some bitterness, some almond taste, to match with the foie gras. Alors, dans nos cuisines rurales, les mères avaient une faculté à ne rien jeter, et je trouve que c'est une comment exprimer ça? Je pense un devoir, c'est, non c'est pas oui, un devoir. C'était un devoir, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un positionnement que devraient avoir les cuisiniers par rapport à Dame Nature et par rapport à la planète. OK. So, traditionally, the mothers, les mamas, everywhere, what you call it, everywhere in the world, at, in the countryside, didn't throw away nothing. They use everything. And he said, Michel thinks that it's a responsibility that every cook in the world must have for respect for the environment and for the nature and in front of for the society. It's a social behavior. Alors quand je regarde ce brocoli que j'ai vu ce matin, il est beau, il est magique, en fait tu peux tout manger là, il n'y a rien qui doit se jeter. Donc ce que je fais sur la feuille, je vais récupérer la feuille. Alors la feuille, je vais la cuire à l'anglaise, à l'eau bouillante. So he's taking the broccoli leaves and just poach in boiling water. Et là, vous, c'est, là c'est un peu plus dur sur la tige. Ce que je fais, je vais faire... Alors j'ai un principe aussi, je taille toujours mes légumes à 45. Bon, c'est une règle que je me suis... 45 okay. degrés. So, for the center part, he's always using slicing 45 degrees. It's something he just... Donc là, la moelle n'est pas très tendre. Alors moi, ce que je vais faire, là, je vais les mincer assez fin, là. Et puis après, je vais poêler ça dans une huile parfumée et que j'ajouterai à un moment donné dans le gargouillou. Voilà. Quel genre d'huile parfumée? Quel genre d'huile parfumée, de parfum? Bon, là, plutôt sur de l'huile d'olive, parce qu'il faut que ce soit assez vif. Et alors après, avec, enfin, on en parlera après. OK. So, for instance, for the center part, because it's a bit not tender enough, so it will slice quite finely and just cook a bit in olive oil. Because you want all with some taste. Alors quand je regarde ce, bon, on est dans la famille des choux, cabbage de la family, fleur. Romanesco. Quand je regarde ce Romanesco, il est tout bébé. Attendez, il s'offre à moi là. J'ai même pas envie de le cuire celui-là. Donc ce que je vais faire sur des légumes de ce type, je vais le bloquer dans une eau bouillante salée juste pour bloquer la couleur et je vais l'utiliser tout cru. Parce que, okay. So the Romanesco is quite young. He says it's a baby. So he's so tender that's a baby, and he will just put in for 1 second in boiling in salt water, just to keep the color, but the filling in the mortar will be raw. Quand je suis avec mon gargouillou le matin, il faut pas trop m'empoisonner, il faut pas me compliquer la vie. Je suis dans mon univers là. C'est... So and when he's doing his gargouillou, and that's true, he experienced it. Non, oui. He's in his own world, you know. You don't have to talk too much to him. He just gave this to the team and to the sous chef what they have to do. But he's in his own world. It's like
It's like, I think like, it's like you pray when you make your... Il y a 20-30 ans, c'est le style de produit qu'on aurait jeté, on aurait gardé que la fleur. Et bon, aujourd'hui, ça a changé complètement la donne. Donc, j'enlève la cellulose qui est tout le tour. Et donc, après, alors, ce que j'ai envie, c'est que mon gargouillot aussi, il est... Je vous ai parlé que je le voulais vivant, je veux qu'il ait de la vie, qu'il bouge, enfin, vous voyez qu'il ait du volume. Donc, la taille du légume compte aussi. Si j'ai que du légume en long, croquant ou pas, je vais faire du légume un peu plus confit. Je joue un peu avec les textures, avec les cuissons. Mon gargouillou, je le vis au fur et à mesure que je taille mes légumes. So, the gargouillou, as we already said, evolves in function of what he's doing. And what is important is that he will adapt thus any technique à la minute. So he's changing à la minute what he's doing. Sur ces moelles, elles sont très tendres. Bon, ça, on pourrait le confire avec du beurre, mettons, un beurre au demi-sel. Mais elles sont tellement tendres que moi, j'ai plutôt envie de les tailler dans ce sens-là, voilà. Et ça, une ébullition, on va dire, de 15 secondes, et ça se croque. So, c'est une gourmandise. From the like the broccoli marrow, he'll see that it's really tender. So first, he starts like this, and after he changes, and he will cook it 15 seconds in boiling water. In faut me donner un peu de rab, hein. Je peux avoir 10 minutes de plus, là, non? Ah oui. He wants, he asks for more time. Yeah. Mettons, ils ont une technique en Sud-Amérique aussi pour les potimarrons, c'est de le tremper dans un lait de chaud. Ça fait une espèce de cuisson. Alors, c'est assez étonnant, ça. Bon, celui-là, il est un peu vert, mais... Tiens, tu m'enlèves les pépères. So, he's a technique from Latin America. Tu me les enlèves. When they use some calc, some sort of calcium. Ouais, ils le trempent dans un lait de chaud, ça fait une carapace tout le tour, et après, on peut faire un type de cuisson, soit en confiserie, soit... ou en poêlage, qui tient beaucoup plus la chair. C'est assez étonnant. Il faudra demander à Alex. J'ai le rapport, je pourrais te le donner. Alex, how do you say lait de chaud? Il ne connaît pas? Il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Il ne veut pas répondre. So it's like it's like calcium compound water, you know? Sorry? Calvision. Calvision. Is it nixtamalization? It's so short, you know, the white calcium-based cement, like the cement, you know, when you call it short. I'm sorry, no. I have no clue. Je cherche les champignons qu'on avait tout à l'heure. Calc. Limestone. That's not limestone, it's different. Okay. It's different. It's really what they use in the building. I have a question for Michel. Could you ask, since he changes his recipe every day, parce que tu changes ta recette tous les jours. Are recipes the absolute truth for a chef? You know, can it be? What do you mean? What I mean, I mean what I say. No, but what do you want to? Because as a recipe, maybe you can ask that, yeah. Then. You know, is recipes the absolute truth for a chef, or is it the recipe that does the magic, or is it the hands? Oui. Parce que c'est pas la recette qui est fin de fin d'assiette, c'est vue. C'est la vue, le goût, parce que je mange, tout à fait. Donc j'ai des types de cuisson qui sont adoptés par l'équipe, et je leur dis, bon, mettons aujourd'hui cette carotte, bon, elle est toute jeune, toute belle, mais dans le gargouillot, on va la mettre crue parce que j'ai envie de la croquer. Voilà. Donc il y a une carotte que je vais ressentir un peu moins, je vais la faire cuire, je vais la tailler peut-être en tronçon, dans ce sens-là, tu vois. Et puis là, je vais la cuire dans un bouillon de légumes avec une tranche de jambon, de graines d'ail et un couloir de girofle. Et je vais la cuire tendre, vraiment fondante, tu vois. Celle-là, elle est belle. Si tu la cuis, celle-là, la couleur, elle change complètement. Or, je n'ai pas envie de la détériorer. Okay. So, no, so, let's go. But this is very, very interesting because how does he tell his chef this, you know? No, he's telling to the chef, to his team, you mean? Yeah. You know, he's there. You have a team there in the back. They are all, right. You know, facing each other. And it's okay. You say, okay, this carrot is like this. Please do it like this. So, for instance, but each chef is different. What you mean, each chef? The guys that are in the back? Yeah. They are 10. Yep, and each of them is different. Yeah. So, yeah, so I think Michel, you know, I think what I, first time I heard from Michel was from the Poussel brothers.
And he said that in Michel, really, the organization and the structure is really, really strong. So I think he communicated really quickly with Steam what he wants, and they know what he wants. Yeah. That's true, because there was, I think, Laurent Pourcel, one of the two. But what I mean is that, so he trusts that the chef does the magic, not the recipe. No, I think il dit, est-ce que tu penses que le chef fait la magie ou et pas la recette? C'est la recette qui fait la magie. Tu penses que c'est le chef qui fait la magie ou la recette? Ben, c'est lié, enfin, pour moi, les deux. C'est moi qui donne le là, puis après que... So, he's giving the, you know, like the master of ceremony. He's giving a guidance, The guidance, and I think, you know... On va en débattre ce soir sous le pont, là. We'll talk with you tonight, as a private. But I think, you know, it doesn't look like, because he looked like a poet, and so, but Michel... You see, I'm trying to get into the head of Michel Braz. I see. No, but you know what? My experience is that he's really, really strong in what he's saying. It's like a poet like this, but it's not like this in the kitchen. You know, it's really, and the guys have to understand really quickly, and but it takes time to teach them for this too. He's passionate with the guys. Je dis que tu es patient avec les gens et tu prends du temps pour leur apprendre. Oui. Et puis bon, alors tout à l'heure j'ai parlé du rapport à l'humain aussi. Le rapport à l'humain à l'entreprise, on m'a jamais appelé chef. On m'appelle toujours Michel. Et je trouve que ça crée un climat de confiance quand ils ont quelque chose qui... Le chef, on se pose une stature, on est des dieux, des semi-dieux aujourd'hui, et le jeune ou le moins jeune, ils ont du mal à t'appréhender. Tandis que Michel, on va courir ensemble, le lundi, on a des... Bon, on va pas parler de ça, parce que... the human aspect of his team is really important for him. For instance, they are jogging together. They have a sort of team. Tu n'as pas toujours les bras cassés? Tu as toujours les bras cassés? They have t-shirts. They do things together, but not all time, but they have something they do together. And it's important, he never asks that people, that the guys called him chef. It's Michel. Because he thinks that, and more, all the top chefs are like statues, living statues. So he wants to be more accessible, as much accessible as possible from the guys and the young guys who are there, you know. Non, mais il faut pas oublier, René, que nous sommes des marchands de bonheur. Et ça, j'y tiens à se dire. On est des marchands de bonheur. Si tu es marchand de bonheur, il faut que tu aimes tes hommes, il faut que tu aimes ton producteur, il faut que tu aimes les clients. Il n'y a pas de mystère. So, okay, I don't know if merchant of happiness is enough. Marchand de bonheur is so nice in French, but it's that's what he wants. He wants to give happiness to these clients, and that's the most important thing for him. Bon, je suis à la carotte. Je reviens à ma carotte. Quand je vois cette carotte... Back to the carrot. moi, je la trouve belle. Alors, si tu la cuis avec la belle texture, les belles structures qu'elle a, si tu la cuis, ça s'estompe. Alors, j'ai une astuce aussi pour la mandoline que j'utilise depuis toujours, c'est que je fais une taille à 45 pour que l'amorce du légume se fasse toujours comme il faut. Okay, parce que si tu fais une approche de la mandoline comme ça, tu n'arrives pas à faire des tailles régulières. Tandis qu'avec ce biais-là, tu arrives à réguler une taille vraiment au millimètre. Voilà. Donc, je reviens à ma carotte. Elle est là. Donc, celle-là, elle est belle. Quickly. J'ai envie de la croquer. Or, ce que j'ai envie, c'est de la traiter vraiment fine, mais au maximum, vous voyez. Et puis elle va venir fleurir le gargouillou en quelque part, c'est tout. Elle ne va pas être cuite, je vais la garder comme ça. You will see the metaphor. C'est tout. Yeah, you are really metaphoric. So, one important, just from metaphor to practical things, so he slices always his vegetables 45 degrees. So it's more easy. Tu le prends comme ça, là. C'est comme, non, comme ça. Comme ça, voilà. So you have an even... Parce que le couteau l'accroche. Oui. So, mais ça se comprend. Le couteau est là, la carotte va tout de suite glisser dessous. The angle is complementary, you see? And also about this, it's true that if you cook this one, you lose the color. So, and it's so delicate, but what he wants is to express, I think, the transparency. So slice as thin as possible, and he say, it will flourish my dish. Or, il y a une cuisson que j'aime beaucoup, que je vais évoquer là. C'est une cuisson jeune. Je m'amusais à ramasser des chardons. Tu vois, les choses qui piquent là. Yeah. Vraiment, c'est distal. Chardon.
Ce qui pique, là, c'est l'emblème de l'Écossais ou du pays de Galles, là, tu sais, au rugby. Thistle, yeah. Avec des gants, et puis il y avait une oxydation comme l'artichaut. Et alors, bon, dans le métier de cuisinier, l'artichaut, comment on le cuit? On met de la farine, on met, qu'est-ce qu'on met? Du citron. Tu fais un blanc. Vin blanc? Non, ah bon? tu fais un blanc. Quand, je sais pas. Ah, oui, ça s'appelait faire un blanc, oui, voilà. Et quand on avait cuit l'artichaut, je dis, il avait fui, il n'y en avait plus. So, back? L'artichaut, il n'y avait plus de goût, il était plus là, il avait... Et tu as utilisé le chardon, non? Oui, quand j'étais jeune, je me suis amusé à faire vite. So when he was young, he used the thistle, so the already white plants, and he was explaining the classical cuisine with blanc, so you have flour, you have lemon or vinegar, but when you cook, in order to avoid oxidation, when you cook the artichoke in this, you lose all flavor. So he was not agreeing with this technique. Or, la cuisson que je fais, c'est un bouillon que je fais très aromatique. Or, j'ai une fascination pour l'orange. Bon, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. So he loves, he's fascinated by orange. Oui, c'était l'offrande qu'avaient les grands-parents dans le temps à Noël. Enfin, oui, c'est les rois mages, c'est tout ça, voilà. Et donc, c'est un bouillon avec de la coriandre. De la coriandre, un peu les herbes du jardin que j'ai cueillies le matin. Some herbs. Et avec un film d'huile dessus, qui peut être parfumé ou pas. Et ce film d'huile empêche une oxydation du légume qu'il y a dessous. OK, and so on top of the water, you have, because it's lighter, you have like a film of olive, just a really thin oil, sorry. And this oil avoids to have oxidation. Et j'aime bien ce type de cuisson parce que l'artichaut a goût artichaut. Le céleri rave que j'ai là, il est blanc, il est transparent, et il a goût à céleri rave. Voilà. So he likes his type of style of cooking, sorry, because you see everything remains white and you have no oxidation. Les champignons aussi. So to be clear, the oil avoids the contact with the air and with oxygen. Combien de minutes, René? How many minutes do we have? Oh well, we're way over. So, but do you want to eat that? Well, is he gonna cook it or? So, I think we'll explain. Yeah. Tu veux cuisiner? Well, let's do another 5 minutes. Il est cuit. On va le monter. Pour le dresser, il y a 4 minutes 30. Voilà. Je parle de 4 ou 5 produits encore et voilà. Ok. Tu donnes 4 ou 5 exemples. Voilà. Et puis on passe au. Oui. Ok. Mettons les champignons comme ça. J'aime bien les champignons qui sont ouverts parce qu'ils ont davantage de goût. So he likes the open mushroom because they are more tasty. La mandoline, attends, pas encore. Et donc ça, je le cuis, je fais un bouillon de champignons et je fais une liaison qu'on retrouve dans le Moyen-Âge avec de la croûte de pain, avec du pain brûlé. Ça amène des arômes qui sont assez extraordinaires. So he cooked the mushroom and he's binding with old recipe from the Middle Ages based on bread crust. Alors, comme tout à l'heure, j'ai regardé le brocoli. Alors, le chou, je le regarde de la même façon, si vous voulez. You look at the cabbage, this sort of cabbage, all cabbage on the same way. Si je cuis cette feuille, la côte va être crue, la feuille va être archi-cuite. Donc, ce que je fais, je vais traiter la côte. So like you do for chicken, so it's cooked in... De manière différente, voilà. You cannot cook the whole leaf together in the same time because this one is more is less tender, that is more tender, so you have to separate and give. Quand je regarde ça, j'ai pas envie d'être le cuisinier irresponsable. Ça et hop, non. You don't non, want non, to non. throw away the, voilà. the leaf. Everybody got ça, that one. Ça. So eat everything from now. À la maison, je fais souvent le tour des poubelles là, parce que. So, yes. Et donc ça, je vais le traiter avec un type de cuisson qui va être différent suivant que la tige est creuse ou n'est pas creuse. Okay. Voilà. So if you have an empty stem or non-empty stem, the way of cooking will be different. I think it's working a lot on tenderness, no, René? Bon, looking really if things are tender, not tender, and adapt, no? I think he's also making vegetables more than just the side. Oh. Of course, it's full. It's the dish. Il y a des assaisonnements que j'aime faire aussi. Donc, la tomate, on l'émonde, je garde la peau, je la fais sécher et je la mets avec du sel pour faire un petit gnac. Parce que mon gargouillou, il est pimenté, il est, dynamité. Dynamisé. Boosté. Boosté par des petites touches, voilà. So, okay, that he will come to other things. It's the long story, it's the gnac.
So, for instance, for the tomato, he's taking the skin off and he's drying the skin and adding some salt and doing something that will be a seasoning. So, tomato skin, salt, and it's one of the seasoning that they do, the gnac, they call the gnac in the book, you know. Le gnac, c'est le rugby, là, tu sais. C'est donner un coup. On m'a gagné la Coupe du Monde, d'ailleurs. Je m'arrête un peu, mais. Gnac is a word used in the rugby. And when you give, you know, you have to give the effort in order to. Des haricots. Je veux des haricots. The beans. Ah, des haricots verts, là, il n'y a pas là. Si, il y avait. So we have two movies. It's Bee and Michel Brun and Lost in Translation as well. Sorry. On n'en a pas. What do you say? No. It's always taking me. Always. Attends. Alors où ils sont les cuits? Ah, si, il était ici. Où c'est qu'on a les cuits? On en a là? Non. Attends. There was something here. Yeah. What are we missing? C'est comme le haricot vert, mettons. Quand je le regarde, moi, le haricot vert, alors j'aime bien les tailles. Alors, le haricot vert, moi, j'arrache toujours la pointe où il est attaché. Ça, je ne sais pas pourquoi il y avait un maniérisme autour de la cuisine où on enlevait ce bout parce qu'il y avait du film. Et si l'haricot vert de qualité, j'ai l'impression que tu enlèves un œil. C'est comme une belle fille, tu vois, que tu lui enlèves un œil. Okay. Alors, moi, l'haricot vert, je laisse ça. Okay. So, quickly on the bean. So, he's just taking away the part which is attached to the plant. And this one, he says, okay, why do that? Why not keeping this? And he says, it's like a beautiful girl if you take her away an eye. Et j'aime bien... Oui. Strong, hein? Beans and girls. Non, mais c'est pour dire comment j'aime le légume quand même. So, let me see if I got this right. So, a bean without the tip is like a girl with only one eye. Yes. So you are better translator. Yeah, so we need two steps. Alors j'aime beaucoup les haricots, si tu veux, qui ont de la marche. Les haricots fins là, j'aime pas trop ça. Moi j'aime bien que ça croque. Et donc les haricots verts, pour préserver la couleur et tout ça, j'ai une taille de légumes que j'adore, c'est celle-là, tu vois. Et j'ai pas trouvé le bon haricot vert. C'est les refendre en deux comme ça. Voilà. Okay, j'aime bien les refendre. So he liked the beans where you have to chew, you know, not just thin and spicy. Quickly, so he liked to chew, so and he show you how he sliced the beans. Sur un radis noir, mettons, je vais garder la peau. Je vais garder la peau, et ça, je vais le confire avec du beurre. Ça a un goût de terre qui est intéressant, et ça me servira de gnac dans l'assiette, tu vois. So the skin of this black radish, voilà. he will cook in butter. Je le blanchis. Like confit, and voilà. After that, he will use as a gnac again, so voilà. Seasoning. Bon, alors ce matin, j'ai parlé des pommes, j'ai parlé de ça. Bon, maintenant, alors ce matin avec... là, on avait des topinambours qu'on a fait cuire ce matin avec Oliver. Des petites aubergines. Des petites aubergines. Elles sont small aubergines, small eggplants. Voilà, on les a cuits et puis bon. Voilà, cooked. Voilà. It seems good, ok. c'est vendredi soir, là, on avait fait ça à la braise. Ça, je l'aurais fait à la braise, tu vois, si j'avais pu. That's corn, c'est du maïs, ça? Oui. Alors mon gargouillou, maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Oliver, comment on allume là? And now the gargouillou. Donc au départ, le gargouillou, il peut avoir plusieurs signatures, suivant que c'est l'hiver. Or le gargouillou, suivant qu'il est du printemps, de l'été ou de l'automne, il n'a pas les mêmes connotations. Au printemps, c'est de l'acidulé, et sur l'automne, c'est davantage du confit, du sucre. Okay, so the gargouille, of course, evolves from, because Michel, tu ouvres en début avril, hein? Oui. Et tu fermes fin octobre? Fin octobre. Okay, so, pour me reposer. So the Maison Bras is open from early April, first of April, to end of October. Attends. So you have many three seasons for the gargouille: spring, summer, and autumn. And quite clearly, in the spring, you have more acidity, and you evolve in the fall to more something more round, more sweet. Et donc, en règle générale, il est axé sur du jambon, mais bon, parfois ça peut être sur de l'anchois. Ici, pourquoi ça serait pas du hareng, mettons, pour amener cette connotation un peu puissante de les régionalistes aussi un peu.
Ok, so, mais donc dans chaque gargouillou, il y a un peu de protéines animales. Ah ben, il y a une tranche de jambon. Okay. Aujourd'hui, on ne l'a pas eu. Enfin, et, si, quoi, on a juste, et quel genre de jambon? Du jambon de pays cru. Ok, okay, voilà. On a trouvé que du bacon aujourd'hui. Hein. Ok, so what's important also, you have this meat or fish tails in the gargouillou. You have, or you have ham, like a dry ham, or this, you have sort of bacon. Sometimes you can have anchovy. You say, if we, I would do here in this country, gargouille, I will use herring, for instance. Ah, ah. Yeah. Et là, c'est des connotations de fumée qui vont ressortir. C'est pas ce qui m'enthousiasme. Moi, je préfère, tu sais, la, le jambon sec, là, tu vois, okay. Avec ce côté plutôt rance. Ok. T'as un couvert là, non? So you don't like in this gargouille to have the smoky aspect. He prefer really the dryness of the ham. And what else? Qu'est-ce que tu cherches? Non, ça va. Ah bon, d'accord. Donc je le fais un peu rissoler, le minimum, pour qu'il dégage son parfum. Après, je fais un déglaçage avec de l'eau là. So you see, it's cooking just to have a bit of grease, and after it's. Là, c'est un peu le camping. Il said it's camping here. So c'est mat food camp. Et donc tout à l'heure, on avait, tu sais, j'ai parlé des niaques, tu vois. Alors. He speaks about niac. You write that, tu écris ça N-I-A-C, c'est ça? Hein? Hein? Que tu écris ça comment? N-I-A-C. C'est ça. Voilà. So, N-I-A-C, niac. Donc là, c'est de l'huile d'olive. Alors si tu veux, moi, quand je construis une assiette, quand je construis un gargouillou, c'est un peu comme une page, c'est comme une pagination. J'aime bien les assiettes blanches, immaculées. Parce que j'ai envie, par des touches de couleur ou des touches de. Par des textures, guider le regard du consommateur. Ok. Voilà. So that's important too. So first, he likes to use white dishes. It's like a drawing, like, you know, writing a page or drawing a page. And the white is there, he says, even immaculate. And he wants, with all these colors and all with all the way we'll position all the things, to bring, to give a way to the customer, to the eye. Là, j'ai rien inventé, c'est du gomasio comme on a au Japon. Eux, ils le font avec du sésame, et moi, je le fais avec du, avec de la noisette, avec de la noix. So it's the principle of gomasio, but done with hazelnut, for instance, and not sesame. Donc là, je pourrais avoir ma touche de pain aussi, si je voulais. Dry bread is coming. Là, tu as mis de l'olive, non? C'est pas le noir, c'est pas de l'olive? Ça, c'est. Ah oui, ça, c'est. Alors, ça, c'est un de mes plats fétiches aussi, c'est ombre et lumière, là, tu sais. Ah, Donc, ça, c'est de l'olive confite à la grecque, à l'huile, qui est séchée. So, dry Greek olive. Et avec ça, je fais l'huile qui est couleur ébène. Là, l'huile que je fais avec ça est couleur ébène. So, he's mixing that with, olive, with oil. And the oil is totally black. And he made this dish with monkfish. I don't know if people remember. There is the monkfish dish, black, ombre et lumière, so light and shadow, that he made doing with this sort of falling with this olive, black olive. T'as une autre cuillère. Quoi? Non, je demande à Oliver, t'as pas une autre cuillère? You don't have another spoon? Ah, OK. Donc ça, c'est... Alors, j'adore beaucoup les supports lipidiques que j'utilise... toi, tu as le vinaigre, mais moi, j'utilise beaucoup les supports lipidiques pour les fleurs, pour le mélilot, pour la reine des prés, pour le gaillet, pour une multitude de. So when he likes the oily medium because in this sort of substrate or medium, he can incorporate flowers, greens, herbs, and different things. He likes very much to use the oily texture. And, donc on en est là. Le rouge là, c'est des tomates ça? Oui, c'est de la tomate. Alors ça change en permanence, ça bouge, ça. Yeah. It's evolving always. So the red there, the juicy is tomato. Alors ce matin, on a cuit plein de légumes avec Oliver là. So, c'était cuit tout ça, c'était cuit au bouillon? Ce matin, on l'a fait. Sur le camping. So voilà. It was camping cooking. Hein? For the camp. Attends, on va, il y a un peu trop de... Too much water, so you have to reduce. You want to reduce. Voilà. Okay. Et donc, on cuit les légumes le matin individuellement, et après, on le monte dans des barquettes, tu vois. On en monte à peu près 80 par jour. That's voilà, also, but that's normal, but voilà. You know, c'est pesé, c'est...
Just one thing, I'd say, because about Michel doesn't want to throw away. I remember one morning, 6 o'clock, in his garden at home, and you know he had the order from the cuisine, and when he speak about the plant, it's 63 leaves. It's not, you know, a full hand. No, it's 63. It's 40. So it's real. He doesn't want really to. He want to spare every product. Alors là, je mets un peu de beurre pour faire une liaison. Butter to, in order to bind. And you put the et donc. Et quand tu as du jambon, tu fais la même manière. Tu cuis ton jambon aussi. Il n'est pas cru. Ah oui. So this one is like country ham style of Parmesan, Serrano, all these things, or Bayonne. This ham is also cooked in the same way. Et le gargouillou, je le veux dynamique. Je ne veux pas qu'on refasse une cuisson. C'est rien qu'un réchauffage, parce que le légume va se flétrir, il ne sera pas beau, il ne va plus être vivant. So there, you are not cooking the vegetable, just giving a bit of temperature. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas fort. Je suis un peu vieux. No comment. Non. Hein? No comment. Ah bon? Donc l'idée. Just too old, not strong. Yeah. It's just because he wants. No. It's not true. So no, I think René, it's done. So, mais ça c'est pas le gargouillou. I want to know one thing. Yes. How does Michel Bras? C'est le gargouillou du Max. Voilà. Alors après, on va jouer avec des fleurs. So now he's playing with flowers. Avec des fleurs. That's a mad gargouillou, he said. It's normally, you know, we have seen the picture René show. It's more. Ce matin avec Oliver, on a cuit un pané au four dans un papillote et on l'a monté avec du beurre. Donc so, ça pourrait être chaud et on en amène une touche là, voilà. That's a parsnip cooked in the oven in aluminium and add with some butter and so on. So that's it this morning. Alors j'aime bien jouer après avec les fleurs parce que des fleurs. You like to play with flowers? Il y a des fleurs à texture. Alors d'abord les herbes. Bon, je sais pas, on a plein de choses là. Bon, pourquoi pas une tige de capucine, de l'oxalis. So you have oxalis, capucine, nasturtium. Voilà. Nasturtium, sorrel, wild chervil, adding plants to the dish. Mais ça, avec le jambon, je ne sais pas si ça va très bien, mais bon, on fera comme. Ah tiens, un bouton là. Toi, j'aime bien quand tu découvres le gargouillou comme ça, c'est que... T'as les yeux tout qui se promènent un peu partout. So, qui... Same thing. When you discover the gargouillou in front of you, your eyes are going everywhere to try to understand what's happening and what is in front of you. But you have a question, really? Well, I want to know how he feels that this is probably the most copied dish in the world in fine dining ever. Qu'est-ce que tu ressens en sachant si on te dit, enfin, tu dois le savoir que c'est un des plats les plus copiés, si pas le plat le plus copié au monde dans le fine dining. Donc, t'aimes pas le mot gastronomie, mais non, mais si tu veux, ce que j'ai dit au préalable tout à l'heure, c'est que bon, j'ai dit que j'étais un dinosaure, mais je suis particulièrement heureux d'être avec des jeunes comme René, bon, Alex, tout ça. C'est que j'ai l'impression qu'ils ont... Wow. Comment exprimer ça? C'est que... Ils vivent pas de la cuisine, ils vivent la cuisine. Okay. Ce que je disais tout à l'heure, parce que moi, je fais partie d'une génération dans les années 70 où quand tu faisais ce type de cuisine, tu faisais parler ton cœur, mais tu passais vraiment pour à l'époque, traiter du jus de cochon, traiter du lard, tout ça, mais on était fous. Je veux dire. So, he says that, as he said, he named himself sometimes as a dinosaur, but he's really happy to be here with young guys like Alex, like René. Because also he feels that they also live the cuisine and not live from the cuisine, and they do the same thing. And he say, you know, when I start to doing this and doing, you know, pig stock, using this material, this product where they have no noblesse, it was really really not very well seen by the. Mais si tu veux, en quelque part, je suis content parce que... But I am happy. Bon, si pendant longtemps, avec mon épouse, on était un peu désemparés parce qu'on passait vraiment pour des tordus. Bon, aujourd'hui, bon, il y a une espèce de... Ce mouvement est là pour nous conforter dans la démarche qu'on a eue il y a 20-30 ans. Voilà. So, what's happening now on the world scene, but in a few words, it's giving them the feeling that they were right when they've done this. But for years, they were really, have been really in doubt.
Alors, cet été, bon, il y a des jours qu'on les compte, les gargouillous. Un jour, il y avait 80 variétés différentes entre les herbes ou les légumes. So, last summer, one day, they count all varieties. There were 80 different things on the plate. Wow. Mon premier menu légumes, 1983. 83 is first vegetable. Et donc, ça revient un peu sur ces nourritures de peu. C'est qu'à l'époque, mon menu légumes, il y avait beaucoup de légumes. Et à côté, il y avait... On appelle ça, tu sais, dans la cuisine française, les béatilles. Les béatilles, c'était les petits riens qu'on mettait dans les bouchées à la reine. Donc, je faisais quelque chose autour du lapin. Je mettais la cervelle du lapin, les joues, la langue, les épaules, les rognons. Enfin, okay. Bon, allez, j'arrive. Je m'amusais avec ça. So, his first vegetable dish in 83. At this time, you had the vegetables and... You know, always is the idea of scarcity and products, secondary type, second product. He was using really the non-noble parts of the, for instance, for a rabbit. So the brain, the kidneys, all these things that normally you don't serve. Last question? We have, I think we agree. I want to see the finished dish. Okay. You are the boss. No, he's the boss. Mais voilà, le gargouillou, bon, voilà, on a notre Michel offstage. Voilà. Ça c'est de la mauve? Non, c'est pas, ah non, ça c'est les machins, c'est le poisson sauvage. Non, ça c'est les, non, c'est... Mélilo? Non. Non, c'est... Bess? Le nom m'échappe, c'est des... Vicia? Do you know it in English? J, c'est quoi? Et tout? You? C'est les pois, là, les pois... Sweet, non? Pois de senteur, voilà. Ah, yeah. So the, I forgot the name in English, but it's decorative. It's a type of pea. Yeah. Wild pea. Normally I know, but. Voilà, allez, on va arrêter là parce que je suis pas tout seul. Okay. It's finished. Voilà. Ladies and gentlemen, a big icon, Michel Brun and the Gallo. You can do it. Je m'excuse, mais j'ai dépassé, mais...